Bien, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture de ce colis. Donc, en gros, c'est Légende Van Horst qui me l'a offert. Donc, on s'est offert toutes les deux un colis d'une valeur d'environ 40 euros pour nos anniversaires. Elle, c'était début décembre et moi, c'est le 15 décembre. Donc, on s'est offert chacune un colis avec des cadeaux dedans. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Donc comme toujours, ces colis sont toujours très bien emballés. C'est anciennement Goutte d'Annemarck Knab. A juste changé de pseudo en fait sur Instagram. Il y a plein de choses. Du coup, un petit mot. Oh, une petite carte, c'est trop mignon. Chère Lucie, je te souhaite un joyeux anniversaire. Mille pensées à ce jour très particulier pour toi. Je prie pour que les 365 jours suivants sois merveilleux et que tous tes rêves se réalisent, que ce soit sur le plan personnel que professionnel. Je n'oublie pas un jour particulier, ton copain qui t'aime et qui t'aide à franchir les combats et les étapes de la vie, ainsi que tes deux autres compagnons de route. J'espère que mes cadeaux te plairont. Bisous de ta meilleure amie et confidente depuis des années. Claire, c'est super touchant. C'est vrai que c'est ma meilleure rencontre dans la communauté Schlesch. Vraiment, son mot, il me fait vraiment plaisir. Et c'est là que je me dis, mince, j'aurais dû mettre un mot plus conséquent. Moi, j'ai juste mis un joyeux anniversaire. J'espère que les cadeaux te plairont. Bref. Donc voilà, tes cadeaux. En premier, tu adores le voyage, cela te permettra de te déplacer. En deuxième, représente ta passion. Bonne découverte. Alors, il y a là, 2. Donc ça, ça doit être le 1. Alors c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de voyager depuis toute petite et j'adore les voyages. Donc on va voir ce que c'est. Ah, c'est une petite calèche. Elle ressemble beaucoup à la calèche que j'avais prise en photo quand elle était venue chez moi. Ouais, bah je pense que c'est celle-là en fait. Donc en fait, c'est une calèche qu'elle a personnalisée elle-même. Elle est super belle. Je l'avais prise en photo quand elle était venue chez moi, quand on avait fait un shooting près du lac qui est près de chez moi. C'est elle qui l'a repeint entièrement, elle l'a customisée. C'est super joli avec un harnais spécial pour les chevaux. Donc ensuite, là on en a un deuxième qui est assez lourd. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait du bruit. Oula, c'est quoi tout ça? À mon avis, je dois ouvrir ça avant. Ça ressemble à une écurie, à une sellerie peut-être. Oh, oh, c'est super beau. Ouais, c'est la tête, un peu comme une sellerie. C'est super bien fait, elle fait des bâtiments super beaux, c'est super joli avec les étagères, tout ça. Super beau, il y a des petites étiquettes, j'aime beaucoup. Et du coup, je pense, je vais mettre la charrette dedans, je pense que là du coup ce sont tout ce qui va avec, tous les équipements qui vont avec. Je pense que c'est en lien avec son histoire. Oh, mais t'es folle. Ouh. C'est tout pour équiper en gros. Ah si, je sais. Je vous mets une petite photo référence. Je pense sincèrement que ça a en lien avec tout ça. Je vais ouvrir tout ça et puis je vais vous montrer mieux sur fond blanc. Donc, voilà plus ou moins à quoi ressemble la maquette vide. Donc bon, j'ai mis mon petit cheval, la petite peluche de chez Schlesch dessus. Donc là c'est le devant avec de la fausse herbe là, c'est vraiment super beau. Donc après il y a une porte et voici l'intérieur. Donc en fait ça me touche énormément parce qu'en fait cette maquette, quand elle faisait son histoire, elle reprenait plus ou moins des personnes réelles de la communauté qu'elle mettait en fait dans son histoire. Et moi, m'avait représenté du coup dans une maquette bien précise avec en fait une pièce qui était consacrée uniquement à ma collection avec des étagères au fond. Et elle avait mis des mini Winnies dedans. Donc voilà à quoi ressemble la pièce. C'est super bien. Ouh, pardon. C'est super bien fait au niveau du sol et tout. Moi, j'adore. Et du coup, bah, elle m'a offert cette pièce-là. Donc avec beaucoup, beaucoup de détails et tout. C'est vraiment super beau. Donc je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là en gros, le personnage me représente. Donc voilà, elle a peint, donc je suis châtain. Donc ça c'est moi. Hop. Et ça du coup c'est mon fiancé. Donc voilà, elle l'a représenté avec ce personnage là. Essayez qu'il ne tombe pas. Et du coup dedans on a des fausses lettres. Alors bien sûr je vous rassure, hein, c'est pas du tout mon adresse. Hein. J'habite pas en Suisse. Donc là il y en a une autre. Il y a une petite pub pour Aérocréation qui fait énormément de custom pour elle.
Donc là, il y a des petits coussins, deux petits coussins, de quoi ranger, des petits stickers que je peux mettre en fond, une lampe. Là, c'est un bouchon de champagne mais qui sert de siège. Nous avons un ordinateur avec même écrit Schlèche dessus. J'adore. C'est vrai que mon ordinateur sert beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les Schlèches quand même. Ça, nous avons, ça c'est, ça fait partie de la calèche. Donc en gros, c'est le filet de la calèche. Et plein de petites étiquettes qui représentent en gros les figurines de la collection, de l'argent, un flot, un bouquet de fleurs, encore de l'argent. Elle m'a offert aussi tout ce qui est mobilier, donc une table, une sorte de plus petite table, table de salon ou petit banc, et le canapé. Et en plus de tout ça, elle m'a offert plein de mini-winnies. Donc en gros, les mini-winnies représentent plutôt représentait plus ou moins les chevaux de ma collection. Donc je n'avais aucun mini Winnie's. Donc là on a déjà celui-ci. Donc je n'avais jamais, j'en avais déjà vu. Elle m'en avait déjà apporté pour faire des shootings photos quand elle était venue chez moi. Mais j'en avais pas dans ma collection. Donc il y en a un. Alors je vais les mettre comme ça. J'ai pas envie qu'ils tombent. Et il y en a un autre qui est comme ceci. Voilà. Un tout petit poulain. Il est ridicule, regardez, par rapport à ma main. Il est tout petit. Et c'est quand même écrit Brière dessous. Nous avons celui-ci. Cet Appaloosa. Celui-ci. Celui-là. Je pense que ce sont tous des OF, je ne sais pas. Et puis même si ce n'est pas des OF, je les garderai quand même dans ma collection. Celui-ci. Celui-là. Celui-ci qui, je crois, est une édition spéciale. Pour moi, c'est le cheval mystère d'un Mystery Pack. Celui-là. Celui-ci. Et le dernier. Celui-là. Donc voilà tout ce qu'il y avait. Il y avait aussi, du coup, la calèche bleue. Donc je vais essayer d'aménager tout mon ma petite pièce et je vous montre une fois plus ou moins aménagée. Donc voilà plus ou moins ce que ça donne une fois mis en scène à ma manière, on va dire. Donc en gros, j'ai représenté plus ou moins moi en train de voir mes deux colis qui arrivent sur la table. Et puis mon homme qui est là, mais voilà, donc il y a toutes mes figurines sur mes étagères. Et puis deux autres colis qui attendent. Un petit bureau. Uniquement pour les flèches. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Vraiment un grand merci à toi pour ce cadeau d'anniversaire. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à aller checker son compte Instagram. Et je vous fais à tous de gros bisous. Et merci. Bye bye.